Alors, bonjour à tous. Je vous ramène tout près. Hein. On s'est éloigné dans le temps et dans l'espace. Maintenant, on revient chez nous. Hein. On revient dans les environs directs de la Terre pour voir un lieu particulier, un lieu que nous aimons tous, hein, qui est le lieu où la vie a eu sa naissance, a vu sa naissance. Et donc, on va voir où, qu'est-ce qui est arrivé au monde où on pouvait avoir ça, pourquoi est arrivé ça et qu'est-ce qu'on peut s'attendre. Alors là, nous, on est membre d'une famille toute petite, huit corps, hein, quatre tout petits, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, et quatre plus grands, les gaz gazeux, qui sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Le dernier point là en haut a été dégradé récemment, donc on n'en parle plus. Mais on en parlera après. Alors, pour première chose, il faut voir la philosophie avec laquelle on a essayé de comprendre qu'est-ce qu'il y avait autour de nous. La philosophie, c'est tout simple. Nous, on est des bêtes qui ont évolué dans une planète avec des propriétés et un environnement bien précis. Donc, nous, on est obligés à avoir une gravité qui nous permet de survivre avec les os qu'on a. On a la nécessité de respirer, de boire, de manger. Donc, dès qu'on sort de l'atmosphère, on est comme des escargots. Il faut tout amener sur le dos. Hein? Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé d'explorer avant tout les choses les plus proches. Et comment on fait? On a développé une philosophie d'exploration qui est celle de l'homme primitif. On a commencé à marcher tout près, on a grimpé sur la colline à côté, on a regardé dans la vallée d'à côté, on a vu, ah, il y a une rivière, ah, il y a des plantes qui ne sont pas chez moi, etc., etc. Bon, on a fait la même chose. Pour la première chose, on a essayé de regarder, de rester dans le même lieu, de mettre la main sur le front et regarder tout autour. Donc, des observations à partir du sol et de l'orbite terrestre. Et ça, c'est la phase zéro. Et la phase zéro a été assez rapidement, jusqu'à, disons, 1848, complétée. On a trouvé tous les membres de la famille. Le dernier, c'était Neptune, 1848. On a complété la phase zéro. La première phase d'exploration, ça a été le survol de ce monde, de tout ce monde, par une sonde spatiale. Donc, un robot envoyé pour un passage très rapide. Quelques kilomètres par seconde, souvent. Et là aussi, on a réussi plus ou moins à remplir toutes les cases. Et ça a été une mission extraordinaire, les Voyager 1, les Voyager 2, qui ont accompli ça à la fin des années 80. La deuxième phase, c'est commence à être un petit peu plus difficile. Il faut mettre une sonde en orbite autour de la planète. Donc les robots, au lieu de passer en vitesse, commence à rester là et essayer de trouver les détails au maximum. Et là, il y a une case qui est en train de se remplir pour Mercure, hein, avec la mission Messenger. On l'a fait par Vénus, par les systèmes Terre-Lune, on l'a fait par Mars, on l'a fait par l'atmosphère de Jupiter, on l'a fait dans les systèmes de Saturne. Et là, on commence à être de plus en plus complexe. Et descente dans l'atmosphère où un atterrissage toujours d'un robot ou quelque chose de différent. Non. Les robots ont été envoyés sur Vénus dans les années 70, plus ou moins, et jusqu'à 90, sur la Lune, et vous avez ici des robots et aussi un autre type de robots. Vous avez Mars qui était et est en train d'être exploré par des robots mobiles. Vous avez exploré l'atmosphère avec une sonde qui est pénétrée dans l'atmosphère de Jupiter, et vous êtes descendu dans la lune la plus grande de Saturne, Titan, avec un atterrissage doux. Et pour un corps, notre cousin, notre frère, ou notre sœur, si vous voulez, la Lune, on a complété avec l'exploration humaine. On ne discute pas si ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine d'utiliser les hommes ou les robots, hein, c'est un discours différent. Mais là, sur la Lune, on est arrivé et on a laissé notre empreinte. Voilà, vous voyez donc la distribution
de cette exploration, c'est clair, est centré sur l'objet le plus proche. Hein. Et après, petit à petit, on va remplir les cases dès qu'on a la technologie, dès qu'on a les moyens pour aller voir ça. Quels sont les résultats de cette philosophie jusqu'à maintenant? Ça représente 50 ans de travail dans l'exploration spatiale. Hein. Le minimum de 50 ans, mais qui a amené à avoir des données extraordinaires partout. Donc, sur Mercure. Mercure, on a trouvé, bon, on voyait quelque chose de vague avant, hein, qui passait avant le soleil de temps en temps. On les voyait à l'aube, au coucher du soleil. Et après, en 1974 et récemment, dans l'année 2010 et 2011, deux sondes, la sonde Mariner 10, qui était ce qui est resté de la grande série de sondes Mariner de la NASA, lui restait une sonde qui était de réserve pour aller sur Mars ou sur la Lune. On dit, bah, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout exploré déjà, qu'est-ce qu'on peut faire sur Mars. Bon, on la voit vers Mercure et on complète au minimum les planètes terrestres. Et après un passage pour augmenter la vitesse, c'est ce qu'on appelle une assistance gravitationnelle de la part de Vénus, on s'est mis en orbite solaire, mais avec les mêmes caractéristiques dynamiques de Mercure. Donc l'orbite de cette sonde prenait 88 jours, comme Mercure, pour faire un tour du Soleil. Et pendant trois fois, la sonde s'est retrouvée dans la même position, parce qu'on avait calculé exactement ce qu'on appelle une résonance entre la période de révolution de la sonde et la période de révolution de Mercure pour obtenir trois fois un passage. Ça a été un bon coup de dynamiciens qui ont suggéré à la NASA de lancer dans une date et dans un instant bien précis pour obtenir ce résultat dont ils ont payé un et ont pris trois, encore une fois. Et donc on a découvert un monde curieux avec un petit champ magnétique, disons, le 1% de celui de la Terre, mais avec une densité qui est comparable à celle de la Terre et une surface qui est sans atmosphère, plus ou moins. Il y a une atmosphère d'un milliardème de bar. Donc, il y a quelques atomes qui sortent des rochers de la surface. Aussi parce que lorsqu'il est illuminé, il a une température qui va de 400 à 600 degrés centigrades. Et la surface, c'est une surface pleine de cratères, donc, qui a été exposée à ces bombardements de la matière, qui nous commence à faire un... Mais comment il y a aussi tant de cratères sur un corps? Ça veut dire quoi? Bon, grande densité, surface cratérisée, une mini-Terre habillée de lune, en quelque façon. Ça, c'est la description brève de Mercure. Et maintenant, on commence à avoir des détails avec la mission Messenger de la NASA. Et dans quelques années, on espère aussi que la mission Bepicolombo, c'est dédié au messieurs qui avait fait les calculs pour te revenir trois fois en 1970, de l'Agence spatiale européenne, va nous donner plus de détails. Vénus a été la cible de l'exploration soviétique avec 19 ou 20 missions Vénus. Hein. Vénus est quelque chose d'autre quelquefois, comme la comète d'Halley en 1986. Et ils avaient aussi obtenu les grands résultats d'être capables de descendre à la surface. Vous voyez ici, il y a la Vénéra 13. Et la Vénéra 14, je pense, qui sont représentés. Ici, il y a la sonde. C'est pas une bouche d'un requin, mais c'est les pieds de la sonde. Il y a des petits bras qui faisaient des analyses en situ. La température est 425 degrés centigrades. Les plombs fondent. Donc l'électronique, à ce moment-là, souffrait un tout petit peu. Et n'arrivait pas à survivre plus que 30-35 minutes. Donc les missions étaient très, très serrées et on essayait de faire tout. Hein, ici, vous avez un œil de poisson comme objectif. Ici, vous avez l'horizon vénusien. Vous voyez que les rochers vénusiens sont très plates.
aplatis, mais ils ont un aspect qui est très très pointu. Donc ça veut dire qu'il y a une atmosphère, et on sait qu'on a une atmosphère de 90 bars, donc 90 fois l'atmosphère terrestre, une température infernale partout à cause de l'effet de serre qui empêche la radiation de la chaleur vers l'extérieur. Ça, c'est l'atmosphère qui nous empêche aussi dans l'invisible de voir la surface de la planète. Ça, c'est l'atmosphère extérieure. C'est les nuages qui nous envoient la plupart de la lumière solaire. C'est pour ça que Vénus est l'étoile la plus brillante, l'étoile, entre guillemets, la plus brillante du ciel. Mais pour transpercer cette voile atmosphérique, on a utilisé le radar et avec des missions radar, qui ont été plusieurs missions de suite, on est arrivé à avoir un photoradar de la surface. Donc, on connaît toute la surface. Il y a très peu de cratères, au contraire, ben, clairement, avec une atmosphère de 90 atmosphères de pression, ce qui rentre brûle dans l'atmosphère et se détruit complètement. Là, il y a un aspect, et on a trouvé plusieurs choses volcaniques ici. Rappelez-vous, c'est une photo radar, donc il y a des informations sur la morphologie, mais il y a aussi des informations sur la structure du sol. Parce que les radars pénètrent à l'intérieur du sol en fonction de sa longueur d'onde, donc ça signifie qu'ils vous donnent aussi une information sur la porosité, sur la taille et ce qui se passe au sol. Et donc, les différentes intensités qui sont réfléchies par la surface de Vénus dans les longueurs d'onde des radars ne sont pas exactement celles d'une caméra dans l'invisible. Mais on a plein d'informations. Il n'y a pas de cratères, il y a des volcans, il y a des coulées de lave. Et en effet, là, ce qu'on voit à côté des sondes sont des terrains typiques de zones qui ont été affectées par un volcanisme assez diffusé. Vous connaissez tous, on est chez nous, là, plus ou moins. Et chez nous, ça signifie être aussi à côté de la Lune. Lune et Terre, c'est un exemple particulier. La taille de la Lune par rapport à la taille de la Terre fait si que les rapports entre les deux volumes et les deux masses est unique dans les systèmes. C'est les rapports les plus grands, entre la masse du satellite et la masse du primaire. Donc, on pense plutôt à un système double, une planète double, plutôt qu'une planète avec son satellite. Aussi, si l'histoire de l'origine de la Lune est très liée à celle de la Terre, parce que la théorie qui en ce moment est plus suivie, est un grand impact qui a ramené plein de débris dans l'orbite terrestre qui se sont réaccrétés dans les systèmes. Ça est suggéré du fait qu'il y a beaucoup moins de fer sur la Lune que sur Terre. Donc, ça signifie que la Terre avait déjà commencé sa différenciation. Le fer était rentré vers les centres de notre planète. Et la Lune, donc, s'est formée à partir d'une source de matériel qui était empeuvrie, dépaupérée, en quelque façon, de fer. La Lune, on la connaît assez bien, hein. On a commencé à y aller à pied, en voiture, et on a mesuré des kilomètres, des dizaines de kilomètres, et on a 380 kilos d'échantillons, qui sont les seuls échantillons extraterrestres au-delà des météorites qui viennent toutes seules. Et nous ont appris beaucoup, beaucoup de choses. Nous ont appris, par exemple, que vous savez, il n'y a pas d'eau et il n'y a pas d'atmosphère. Donc, tous les phénomènes d'érosion et des phénomènes disons, de variation, de modification chimique des objets ne sont pas là. L'érosion est une érosion par impact de particules plus ou moins grandes. Et l'histoire de la Lune est une histoire ancienne. Les roches les plus jeunes qu'on a trouvées sur la Lune ont quelque chose de l'ordre de 3,8 milliards d'années, qui sont les plus vieilles qu'on trouve plus ou moins sur la Terre. Donc, en mettant ensemble Terre et Lune, on a une vision complète entre 4,5 et aujourd'hui
de l'histoire de cette côté, de cette région autour du Soleil, qui est particulièrement intéressante, parce que c'est la seule région où il y a de l'eau à l'état liquide, qui est fondamentale, comme on verra, pour comprendre. Alors, il y a de l'eau ailleurs, mais pas à l'état liquide. Par exemple, sur Mars, dans les calottes polaires, qu'on avait découvert depuis le 19e siècle, on a trouvé des choses curieuses. Les calottes, l'hiver, sont des CO2 solides, hein, un hydride carbonique solide, et l'été sont d'eau, hein, des glaces d'eau. La variation de température entre l'hiver et l'été martien est telle, la température est au niveau de faire sublimer les CO2 solides l'été, mais pas la glace d'eau. Donc la glace d'eau reste et il y a cette duplicité de calotte polaire martienne. Lorsque on les regarde au télescope, on voit qu'il y a beaucoup de différences dans la photométrie. Donc la lumière réfléchie se comporte dans une façon différente, qui n'a pas toujours quelque chose à voir avec la réalité. Ça, ce sont des images qui montrent, par exemple, l'existence de canyons de l'ordre de 5000 km au-dessus de l'équateur martien, avec une profondeur de 10 à 12 km, des largeurs de dizaines de kilomètres, et aussi la présence des montagnes volcaniques, donc des dômes volcaniques, qui sont 28 km par rapport au terrain qui sont autour. Il n'y a pas une surface zéro due à la présence d'océans sur Mars, donc on les fait par rapport. 28 km, si vous y pensez un instant, et vous prenez les points les plus bas et les points les plus hauts, sur Terre, ça fait 18 km, 19 km plus ou moins. Et c'est 10 km en plus. Ça, c'est possible parce que, bon, Mars est plus petit, donc la gravité sur les matériaux qui sortent des volcans a une action moins importante. Et d'autre côté, il n'y a pas une tectonique à plaque sur Mars. Donc, s'il y a quelque chose qui sort, elle s'empile sur le même lieu. Ici, avec la tectonique à pile, s'il y a une source profonde, comme par exemple au-dessus d'Hawaï, hein, après un petit peu de temps, la plaque se déplace, la lave continue à sortir, et ça provoque la formation d'îles, hein, d'archipels, et pas d'un grand mont qui ne serait pas capable de survivre. Les monts les plus grands, c'est le mont Olympus, hein, celui-là. C'est 28 km par rapport aux zones qui sont autour. Et la dimension est, bon, pour vous donner une idée, ici vous mettez Paris, hein, là il y a Marseille et là il y a Londres, hein, pour avoir une idée géographique. Et sur Mars, on retrouve, il n'y a pas d'eau, mais il y a une atmosphère toute faible de CO2, hein, un dixième de l'atmosphère, moins qu'un dixième de l'atmosphère terrestre. Et donc, on a des phénomènes qui sont quand même bien présents, comme des phénomènes d'érosion. Et là, sont des dunes, des champs de dunes qui se sont formés et qui sont présentes presque partout. Et il y a des tempêtes de temps en temps qui soulèvent tous ces sables rougeâtres, riches en fer, donc, qui couvrent la planète entière. Naturellement, lorsque vous faites une mission spatiale, il y a toujours quelques pépins. Alors, par exemple, la première mission qui a mis en relief les visages de Mars, ça a été Mariner 9. Mariner 9 a envoyé 11 000 photos de la planète entière à une résolution de quelques kilomètres, une dizaine de kilomètres, et a mis et nous a fait rêver. Parce qu'avant, on avait vu quelques petites parties du sud, il y avait quelques petits cratères, on dit encore les cratères, on ne peut plus. Et au contraire, là, ça c'était en 1971, on a eu cette merveille des planètes, plein de phénomènes physiques et géophysiques qui nous a fait rêver. Mais au moment où on est arrivé, alors on est tout plein d'enthousiasme, on regarde, on va voir, la planète était complètement enveloppée par une tempête de sable qui empêchait de voir dedans. Donc on est resté en orbite, on a regardé les deux petits satellites Phobos et Deimos qui étaient à côté, et après on a attendu que la poussière sédimente dans un, et après pendant un an on a été satisfait. Donc
ça c'est Mars. Et Mars, en ce moment, est objet de plein de choses. Il y a 3 jours, hein, samedi passé, est partie une autre sonde, le Science, Mars Science Laboratory, qui va arriver dans 9 mois avec un camion, ce n'est pas une voiture là, c'est un camion qui automatiquement va faire des analyses partout. Mais il y a déjà eu des sondes extraordinaires qui c'était Opportunity et Spirit, qui ont fait des grands tours, une trentaine de kilomètres tout seul. Vous y pensez, hein, c'est un jeu merveilleux. Je pense toujours à mes collègues américains qui sont capables de rester des jours là en disant, bon, maintenant je vais là, alors, ta, 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 ta. C'est vraiment la joie de faire les courses dans les petites autos. Et vous voyez, il y a des traces, hein, qui sont visibles à partir de l'orbiteur. Ça, c'est le Mars Reconnaissance Orbiter qui était en train de reprendre ces cratères, par exemple. Alors, ça, c'est un élargissement de la partie haute de la photo. Et dans cette, hein, vous voyez qu'il y a les traces de la sonde qui est là, et la sonde elle-même qui est en train d'explorer de près cet objet. Hein. Et vous voyez les dunes qui sont au centre du cratère, qui montrent encore cette grande activité éolienne qui est sur la planète. Et ça, c'est la photo correspondante qui avait été du cratère qui avait été reprise à partir du sol de l'Opportunity. Et ça, c'est une partie de la sonde. C'est la signature de la sonde, toujours, je réponds. Et donc, on voit ce que est cette partie-là du cratère. Et donc, avec tout ça, on a des milliards de mégabits, hein, à analyser. Et qui arrive avec une continuité extraordinaire. Un de deux sondes, je pense que c'est Spirit, s'est arrêté parce que la poussière a couvert complètement les panneaux solaires. Et donc, il n'y a rien, il n'y a personne qui va balayer la poussière. Et donc, ça a tari la source principale d'énergie. On arrive à une première frontière qui est assez importante, que c'est la ceinture des astéroïdes. La ceinture des astéroïdes contient des millions de petits corps, de grains jusqu'à 1000 km, qui est Cérès, et qui représente quelque chose d'extrêmement important, parce que c'est la mine dans laquelle nous on va chercher les nouvelles sur les caractéristiques des matériaux qui ont donné lieu à la naissance des planètes. Parce que probablement, il s'agit d'un essaim d'objets qui étaient là, prêts à former une planète. Et malheureusement, Jupiter, qui était un petit peu plus loin, et qui avait une source de matière beaucoup plus importante, a grandi trop tôt par rapport à la croissance de cette planète. Et donc a bousillé, en perturbant les orbites des objets qui étaient là-dedans, et certains ont l'a envoyé vers le Soleil, des autres l'a chassé au dehors du système. Ceux qui sont restés, c'était celui qui avait une orbite plus stable, qui ressentissait moins de cette chose, mais en ayant une orbite stable, plus stable, après c'était difficile de faire rencontrer. Et donc ils sont restés surgelés dans la position initiale, mais heureusement, nous donne des renseignements précieux sur ce qui était l'état de la matière à un certain moment de la formation planétaire. Et donc, ce qu'on fait maintenant, c'est d'essayer d'aller et regarder les maximums d'informations sur ce que ces objets sont capables de nous donner. Je vous montre le dernier qui est en train d'être, il n'y a pas la voix parce que j'utilise la mienne, ça, c'est Vesta, hein, le deuxième en taille, qui est en train d'être exploré par une mission qui s'appelle Dawn, l'aube. Et vous voyez, on est encore dans le cadre de la merveille. Ça, c'est le pôle sud. Le pôle sud, c'est un grand bassin, presque grand comme la taille même de l'objet. Au centre, il y a une montagne. Cette montagne est de 25 km. On commence à avoir des choses extrêmement importante. Vous voyez ici toute une série de détails. Et maintenant, on est en train de survoler cette partie centrale, hein, du pôle sud avec les parois
de ces bassins, et maintenant on se déplace vers le nord, où on trouve encore des cratères, des cratères, des cratères, mais avec beaucoup d'indications de différences de matériaux sur la surface. Et on a 4 millions de spectres à analyser. Hein, on a commencé le travail les 25 juillet passé, et à fin décembre, on arrive à la distance minimale. Et là, vous voyez, on se déplace vers l'équateur et on trouve ces sillons incroyables qui semblent s'être formés à un certain moment lorsqu'il y a eu une interaction avec un autre corps qui semble avoir roulé, hein, sur l'équateur de cet objet. Et bon, des cratères, après, on fait mal aux yeux de regarder comme ça, donc on arrête et on continue rapidement. Ici, vous avez une explication de comment les astéroïdes sont aussi considérés comme possibles sources des molécules prébiotiques. D'où vient l'oxygène, l'hydrogène et les carbones qui ont été nécessaires pour former les DNA? Et bon, une des hypothèses, c'est qu'il vient de petits corps. Et les petits corps sont les astéroïdes et les comètes. Donc, c'est très important pour nous aller regarder, possiblement prendre des échantillons, les ramener et étudier ce qui se passe. Il y a une mission américaine qui s'appelle OSIRIS-REx qui va partir probablement en 2016. C'est approuvé et l'argent est là. Donc, pour l'instant, ils ne l'ont pas encore effacé. Les programmes, on va voir, parce que chaque année, ça peut arriver. Ils sont rigolos. Et il y a une mission européenne qui est là depuis longtemps, parce que l'Europe, c'est beaucoup plus tranquille, plus lente, etc., qui s'appelle Marco Polo. C'est la Marco Polo R. Hein. R, c'est les retours ou la revanche, parce que c'est la deuxième fois qu'elle est étudiée, qui va être décidée en 2013 si la faire voler ou non. Et donc, on verra et on espère d'avoir la possibilité de faire ça. L'Europe, quand même, a eu son plein d'astéroïdes avec la mission Rosetta, qui est en cours en ce moment, est passé en 2008 à côté d'un astéroïde, en 2010 à côté d'une autre astéroïde qui était Lutetia, Paris, entre autres, qui était assez intéressant. C'était les plus grands avant ceux qu'on a vus là. Et est en train d'aller vers une comète qui va être rejointe en 2015, ayant un laboratoire, les robots typiques, qui va descendre sur la comète et faire ses analyses. On passe de l'autre côté de la frontière. Et ça, c'est vraiment une frontière, pas seulement pour la taille des objets. C'est clair que, comme on verra, les planètes extérieures ont eu la possibilité de s'accroître parce qu'il y avait beaucoup plus de matière disponible pour leur croissance. On verra pourquoi, plus ou moins. Et bon, c'est simple, hein, si vous regardez la région, hein, dans laquelle c'est, la région est à 5 unités astronomiques, il y a beaucoup plus d'espace où il y a de la matière qui peut être bouffée par les planètes. Et donc là, vous avez Jupiter avec son atmosphère extérieure qui est siège d'une dynamique atmosphérique extrêmement importante. Ici, vous avez la grande tache rouge où il y a la possibilité de mettre 3 fois la Terre, hein, pour avoir une idée des dimensions. Et les taches blanches aussi sont tous des anticyclones qui sont en train de se développer et rester longtemps, parce que plus grand est la taille de ce type de perturbation atmosphérique, plus long est le temps de vie de cet objet, selon les modèles qui ont été faits. Au moment où on est passé derrière Jupiter a été utilisé pour faire une éclipse de Soleil, comme coronographe, hein, du Voyager 1. Et on a découvert que aussi Jupiter avait un système d'anneaux moins sophistiqué de celui de Saturne qu'on connaissait depuis longtemps, mais quand même bien présent, avec un bord extérieur bien lisse et propre. Il y a un éboueur, hein, qui s'appelle Adrastéas, un petit caillou de quelques dizaines de kilomètres qui fait le travail. Et on trouve une grande quantité de poussière qui forme une espèce de lentille qui probablement est liée à l'échange de matière avec un des satellites de Jupiter. Jupiter a des centaines de satellites, mais les 4 les plus fameux sont Io, Europa, Ganymède et Calliste. Ils ne sont pas à l'échelle. Vous trouvez quelque chose de différent
dans ces premiers objets qui sont des objets solides au dehors, dans la partie extérieure du système solaire. Bon, il n'y a pas de cratères sur Io, il y a très peu, hein, pour la précision, des cratères sur Europa. Il y a un certain nombre de cratères sous Ganymède et Calliste. Est-ce que les deux les plus proches dans l'ordre, Io et Europa, ont été respectés par les bombardements? Non, il n'y a aucune raison pour penser à ça. Hein? Et donc, ça veut dire qu'ils ont été régénis. Hein? Ça veut dire que les cratères ont été effacés. Et en effet, au moment du passage de la première sonde à côté de Io, il y avait quelque chose comme 8 volcans actifs au même moment. Et vous voyez ici, hein, deux bouches volcaniques avec l'éjection des matières, et aussi il y a des coulées de lave, etc. Donc un monde qui est en évolution continue. Même chose, ici il n'y a pas de volcans, mais il y a plein de fractures, et il n'y a pas de cratères, sauf quelques-uns très très éparpillés. Ce sont deux mondes qui sont les plus proches à un géant. Les géants interagissent selon des forces des marées avec ces corps qui sont obligés par la marée, comme la Lune, hein, à se mettre dans une orbite stable et avec une période qui permet de montrer toujours le même visage à la planète. Mais entre les quatre, il y a aussi des relations étroites, dynamiques. Ils se retrouvent en façon telle que lorsque Io fait un tour autour de Jupiter, par exemple, Ganymède fait lorsque Ganymède fait un tour autour de Jupiter, Io en fait deux. Hein? Il y a ce type de résonance. C'est une résonance multiple. Et alors, il y a une bataille entre Jupiter et Ganymède au moment où ils se trouvent dans le même alignement, sur la même ligne, et Jupiter tend à circulariser l'orbite, Ganymède tend à augmenter l'excentricité. Ça provoque des étirements à la surface, avec une dispersion d'énergie dans les pauvres planètes au milieu, hein, Io et Europa, et qui est à l'origine d'une dispersion, donc présence d'énergie qui peut être utilisée pour fondre, dans le cas des matériaux à l'intérieur, de casser la surface. Et là, on trouve des fractures. Et étant donné qu'il y a de la glace dans le deuxième, cette énergie est aussi utilisée pour faire sortir de l'eau, qui se glace immédiatement, mais qui lisse complètement les choses. Donc, on a deux mondes qui sont en évolution continue, un qui a encore des silicates, l'autre qui commence à être moitié silicate, moitié glace. Et les deux autres qui sont moitié silicate, plus d'eau, plus de glace que des silicates. À l'intérieur d'Europa, on pense qu'il y a une mer, un océan d'eau. Et ça, c'est un des objectifs des gens, d'envoyer quelqu'un à regarder ça. De suite, on arrive au Seigneur des Anneaux, Saturne, qui a cette merveille d'anneaux qui sont des milliards de satellites, des petits satellites de glace qui sont organisés dans cet ensemble d'anneaux. Et vous voyez ici la plus belle image qui a été produite par la sonde Cassini. Hein, il y a le Soleil qui est Saturne qui éclipse le Soleil. Et à travers son atmosphère, il y a un réflexe de lumière de soleil qui sort. Et vous voyez la lumière diffusée vers l'arrière et vers l'avant par les anneaux. Et les anneaux, la lumière diffusée par les anneaux, illumine la nuit de Saturne et projette sur Saturne lui-même l'ombre des anneaux qui ne sont pas illuminés par le soleil. C'est un ensemble de choses. Ce n'est pas un dessin, c'est une image vraie. Hein? Et si vous aimez ce type de choses, vous allez sur le site Cyclops, avec la I, Cyclops, hein? Qui est le site où il y a toutes les images qui ont été mises en place par la NASA. Toutes les images de Cassini et d'autres planètes qui sont mises en place par la NASA.
Le système des anneaux est géré par la présence d'un certain nombre de lunes, de petites lunes, de l'ordre de centaines ou dizaines de kilomètres. Pour faire un exemple, il y a les deux lunes Pandora Pan et Pandora, je pense, j'ai un trou en ce moment. Bon, les deux satellites qui gèrent un des anneaux les plus extérieurs, l'anneau F, on l'appelle les satellites bergers. Ce sont des satellites qui sont capables de, comme les chiens de berger, hein, de maintenir les particules là. C'est une particule qui a la tendance à s'éloigner, et paf, la faire rentrer dans l'ordre. Comment? C'est un échange de ce qu'on appelle les moments cinétiques des particules et des anneaux. L'anneau à l'intérieur va plus vite que la particule, donc lorsqu'ils se rencontrent, il y a un échange et la particule gagne aux dépenses du satellite un petit peu de vitesse dans l'échange de moments. Et alors, bon, l'échange de moments, ça signifie que ce gain de vitesse se rapproche vers la planète. Les vitesses keplériennes plus grandes sont vers la planète. Au contraire, de l'autre côté, la particule la même rejoint le satellite extérieur et produit un effet opposé à celui, à ce qu'on a vu, donc cède un petit peu de sa vitesse, donc se remet à sa place. Donc avec ce jeu-là, l'anneau est maintenu stable. Et regardez, ça c'est une autre merveille, hein. Ça c'est l'ombre de l'anneau sur un de deux satellites. Repris à un certain moment. Les autres satellites glacés sont à couple, hein, et avec des exceptions. Le plus extérieur, Phoebé, probablement est un objet lointain capturé, et l'autre, c'est les résidus d'un événement catastrophique qui s'est passé entre ces satellites-là, qui est Japet, et Titan, qui est le roi des satellites de l'autre côté. Les couples sont Mimas et Encelade. Encelade est très important parce qu'on a trouvé encore des choses très curieuses lorsqu'on s'est approché. Tétis et Rhea et donc Tétis et bon, Vera et Rhea et Japet. Excusez-moi, l'âge. Hein? On les trouve dans les bouquins. Et pourquoi c'est important, Encelade? Encelade, c'est très important parce que en passant à côté, on a vu qu'il y avait une émission d'ions d'hydrogène. C'est une espèce de comète, hein, des petites comètes, 500 km de diamètre, glace, et le pôle sud, vous voyez, est traversé par des fractures, probablement d'origine maréale, comme dans les cas précédents, et il y a des jettes de matière, des geysers froids, hein, qui sont à l'origine de ce type d'émissions. La mission Cassini, qui a commencé à travailler en 2004, mais qui va travailler jusqu'à 2016, et chaque 36 jours, on nous envoie des terabits des données, est programmée pour voir plusieurs fois l'action de ça. Et ça est passé aussi assez récemment, et c'est très intéressant. Titan a été l'objet de la mission Huygens, faite par l'ESA, où il y avait la descente à l'intérieur de l'atmosphère d'une sonde Huygens, parce qu'elle a été découverte par Christian Huygens, et cette sonde, en 2005, le 14 janvier, est descendue dans l'atmosphère et a réalisé les mesures de toutes les propriétés physiques et chimiques de l'atmosphère. C'est une mission dans laquelle on a commencé à travailler en 1980. En 2005, on a eu les premières 2h30 de données sérieuses. Hein? Et encore aujourd'hui, on arrive à avoir des données. C'est la dernière cathédrale, probablement, des missions de l'espace pour ce qui concerne la planétologie. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a une atmosphère d'azote en majorité et de méthane. Le méthane ne pourrait pas être présent dans l'atmosphère parce que le Soleil, par photodissociation, aurait cassé toutes les molécules dans l'âge du satellite. Mais s'il y a des sources
et ça a été dit en 1981 par un étudiant qui est devenu maintenant académicien aux États-Unis, il s'appelle Jonathan Lunin. Dans sa thèse, il avait dit, bon, s'il y a du méthane, il doit y être du liquide sur la surface. Et en effet, la sonde Cassini, avec son radar, a déterminé la présence des lacs de méthane dans la partie estivale de la sonde. Écoutez, vous avez vu sûrement cette film. Je vous montre rapidement. Rapidement, c'est rapidement, oui. Alors là, vous avez la configuration au moment du départ de la sonde, hein, la Terre qui passait avant le Soleil, et rapidement, bon, on fait 7 ans de voyage vers Saturne, hein, vers les systèmes de Saturne, Saturne-Titane, donc il y a les autres satellites autour, et les jours de Noël de 2004, la sonde Huygens est détachée et à la distance de 4 millions de kilomètres est envoyée comme une fronde dans le centre d'une cible de 1000 kilomètres, plus ou moins de 1000 kilomètres autour de l'équateur des Titans. La mission donc arrive, et là vous avez la hauteur et la distance temporelle des images. On rentre dedans et vous voyez, on ne voit rien parce qu'il y a un brouillard déterminé par la présence de cette molécule lourde d'hydrocarbures. Et jusqu'à quelque chose de l'ordre de 80 km, on commence à voir quelque chose. On voit qu'il y a, par exemple, deux grandes lignes ici qui pourraient être des dunes, ici où il y a la main. Hein, et on voit qu'il y a des zones plus sombres et plus claires. Et dès qu'on s'approche, on est en train de descendre. Hein, on trouve qu'il y a des réseaux fluviaux dans la partie plus claire qui est relevé par rapport à la partie plus sombre. Et ça semble que ces réseaux fluviaux vont s'éjecter à l'intérieur d'un lac séché qui est dominé par une série de petites collines qui sont une dixième en hauteur, centaines de mètres, dizaines de mètres, vers lesquelles la sonde est en train de s'engouffrer et essayer de descendre. De l'autre côté, on voit qu'il y a un paysage qui est assez complexe. On descend de plus en plus et à la fin, on arrive à toucher le sol. On est au-dessus d'un parachute, hein, à une vitesse de 4-5 mètres par seconde, donc 18 km par heure. Tout le monde était avec les doigts croisés et finalement, on a fait une mission incroyable. Voilà. Maintenant, vous êtes en train de revoir la même chose, mais avec une caméra qui était de côté, pas la caméra qui était au-dessous de la sonde. Et donc, on revoit notre côte de ces lacs séchés, les collines qu'on a vues tout à l'heure où s'est engouffrée la sonde. Vous avez ici les systèmes de lacs, là, les champs de dunes longitudinales et la partie plus complexe de l'autre rivage de ces lacs. Et la sonde descend, 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 j'espère rapidement, et va descendre dans un lieu qui rassemble au fond d'un lac ou d'une rivière complètement séchée. Il y a toute une série de galets qui sont des glaces sales, pas des rochers. Des glaces d'eau sale, voilà, qui font penser, hein, ça c'est 15 cm pour avoir une idée de là. Et là, c'est la lumière de la lampe de la sonde qui faisait une analyse spectrale de la composition du sol. Ce que vous voyez passer, c'est l'ombre du parachute qui s'abat au sol au moment de la distance. On était à 10 unités astronomiques, à 80 minutes de temps. On est descendu à l'aveugle, naturellement, et surtout parce que la sonde était orientée vers l'atterrisseur pour prendre les données. Et après, la mission s'est renversée vers la Terre et a envoyé toutes les données à Terre. Donc, on est resté longtemps. Moi, j'ai eu un instrument sur cette sonde qui a mesuré la pression, la température
la densité et les propriétés électriques de l'atmosphère pendant toute la descente. Et ça, ça a été une aventure extraordinaire, hein, qui a marqué ma vie scientifique, en quelque façon. 25 ans de travail, hein. C'est quand même quelque chose. Pour 2 heures et demie de données. Ça, c'est à dire aux élèves qui veulent faire notre métier. Il faut être patient, très patient. Donc, vous avez après les deux autres planètes extérieures qui sont Uranus, qui, au lieu d'être une toupie comme tous les autres, a une balle qui roule sur le plan de l'écliptique. Hein, son pôle est dirigé dans cette direction vers le Soleil. On ne voit pas trop parce que c'est bleu parce que les hydrocarbures qui sont à l'intérieur de la couche supérieure de l'atmosphère ont absorbé toute la partie rouge de l'atmosphère. Et donc, ce qui est réfléchi est la partie... Hein, et il y a des brouillards assez forts d'hydrocarbures qui ont empêché ça. En plus, je vous rappelle, les images ont été obtenues avec 5 kilobits de mémoire, qui étaient celles qui étaient à bord du Voyager, et quand même... sont les seuls pour l'instant et ont été capables de redécouvrir les systèmes d'anneaux et d'explorer les systèmes de satellites, dont ici il y a un de satellites glacés qui s'appelle Miranda et Puck qui a été découvert par. C'est le seul système où les nombres de satellites ne proviennent pas de la mythologie grecque, mais plutôt de la mythologie shakespearienne. Ça, c'est tout de nom, parce qu'ils ont été découverts par Herschel. Et donc, Herschel a demandé, et en son honneur, ont été donnés des noms qui venaient de l'Angleterre, et donc de la comédie Rêve d'une nuit, de la nuitée de Shakespeare. Umbriel, Ariel, Oberon et Miranda sont les noms des satellites qu'on avait découverts à partir du sol, aussi Herschel en avait découvert deux, et Puck a été découvert, c'était les follets, les lutins. Et après il y a Neptune. Neptune, c'est très familier, mais c'est très inhospitable, c'est le lieu le plus froid du système, avec ses deux satellites, Triton, et Néréide, que tout petit, je n'ai pas mis l'image. La chose que je vous montre, c'est qu'aussi Neptune a un système d'anneaux, et ce système d'anneaux est aussi caractérisé par la concentration d'arcs de matière, qui probablement est due à la présence de satellites qui ont concentré, ou des phénomènes qui ont permis de concentrer ça. Les satellites ont été découverts à Paris 7, donc... On est bien heureux de les présenter par notre collègue André Braic, qui l'avait découvert à partir du sol avec des occultations. Donc il attendait qu'une étoile soit occultée par Neptune et il voyait qu'il y avait une diminution de la lumière. Mais il n'y avait pas une diminution de l'autre côté. Il avait correctement pensé au fait qu'il y avait des concentrations de matière. Et alors ils lui ont donné la possibilité de lui donner un nom. Cette image est une image de 1989, deuxième centenaire de la Révolution française. Elle s'appelle Égalité, Liberté, Fraternité. Les Américains n'étaient pas trop satisfaits de cette histoire, parce qu'ils disaient que c'était un événement sanglant. On est à la frontière du système solaire, et on a découvert quelque chose qui était au-delà de Neptune. Et ça, c'est le premier objet d'une nouvelle population, qui est une population énorme, hein, qui est la population des objets transneptuniens. Ok, ok. Alors, le dernier, c'est, bon, Pluton est le premier des objets qui sont de cette nouvelle population. Et Pluton a été découvert en 1930, mais c'est pas une planète, c'est une planète naine, on lui a laissé... une petite histoire, a 4 satellites, le plus grand s'appelle Charon, et a été étudié longtemps au moment où il s'est présenté dans la meilleure façon au sol. Pour être rapide, donc là, il y a les autres systèmes planétaires. Et les autres systèmes planétaires
nous permet de penser qu'il y aura un jour une planète dans laquelle, comme chez nous, la forme de vie est extraordinaire, avec toutes ses différences, mais avec toujours la même structure de base. Et donc, ce qu'on aimerait bien trouver, c'est une planète où tous ceux qu'on a connus ici nous amènent à être les plus sereins et les plus tranquilles possible. Merci. Alors, première question. Europa et Io sont donc des satellites des corps qui sont très proches l'un de l'autre. On retrouve un corps qui est donc Io qui est dépourvu d'eau, alors que Europa est totalement recouvert de glace. Est-ce qu'on sait pourquoi est-ce que ces deux satellites ont pour l'un beaucoup d'eau et pour l'autre pas du tout? Non, on ne le sait pas. On peut supposer. On peut supposer qu'étant donné que là passe la frontière. La ligne de glace, disons. Tout ce qui est à l'intérieur de Io est silicate, avec un petit peu de glace. Tout ce qui est à l'extérieur est des glaces d'eau, en plus. Des glaces d'eau dominant la dominance absolue de la glace d'eau. On pourrait penser que la glace était aussi sur Io, mais que l'effet que soit si proche à Jupiter, c'est le plus proche à Jupiter. Et vous savez que les effets des marées sont des effets qui vont comme 1 sur R cube. Sont comme la troisième puissance de la distance. Donc les plus près sont ceux qui subissent des effets plus grands. Alors cette dispersion d'énergie déterminée par cet ensemble qui a amené à la fusion interne a peut être à l'origine du fait que la température de surface de ce corps est telle que l'eau s'est évaporée, sublimée et évaporée. Mais ça, c'est... On n'a pas trouvé de l'eau, on a trouvé du soufre surtout, beaucoup de soufre et du sodium. Oui, à un moment donné, donc on voit dans la très jolie vidéo sur la mission Huygens que l'appareil se pose sur le sol ferme. Or, vous disiez qu'il y avait des lacs de méthane. Donc, s'il n'est pas tombé dans le méthane, c'est un coup de chance ou vous aviez calculé Absolument pas. On n'avait aucune idée de ce qu'on aurait trouvé sur la surface. C'est pour ça que tout le monde était toujours comme ça lorsqu'on attendait. Et en effet, on avait prévu une des expériences, l'expérience de ce qui s'appelait Surface Science Package. Qui avait moitié des choses qui pouvaient marcher si c'était dans l'eau. Par exemple, mesurer l'oscillation des vagues, mesurer l'index de réfraction du liquide. Entre autres, c'était une mesure faite avec un instrument qui avait un saphir artificiel qui est utilisé en Angleterre pour mesurer la qualité de la bière. C'était parce qu'il mesure l'index de réfraction de la bière et décide de quelle est la bonne qualité ou non. Et ça a été transporté par nos collègues anglais à la surface. Et donc, il y avait moitié d'expérience. Par exemple, il y avait une expérience qui a marché. Non, les pauvres messieurs qui avaient cette expérience, le PI, c'était mon collègue anglais, il lui avait assuré minimum 3 minutes de survie. Il a survécu 2 heures, donc ça lui a marché, tout a marché bien. Mais il avait tout fait pour faire 3 minutes de mesure. En 25 ans, toujours. Et les 3 minutes, alors, moi j'avais une série d'instruments dans l'atmosphère, 2h30, moi, c'était un rapport impossible. Alors j'ai dit, bon, tu viens de mon expérience, tu m'amènes ta compétence sur les décéléromètres qui me servaient, et je te laisse utiliser un sounder acoustique. Ainsi qu'il a mesuré aussi la vitesse du son qui était prévue pour le liquide dans le cas s'il y avait un fond qui n'était pas trop loin, mais aussi dans l'atmosphère. Donc il avait, disons, quelques kilomètres de données qui pouvaient être utilisées. Le méthane, c'est un solvant qui est polaire.
Et il est liquide sur Titan. Est-ce qu'on pourrait Non, sur imaginer la Titan est Terre? liquide dans certaines zones et à certains moments de l'année. Parce que, par exemple, là où on est descendu, on a trouvé qu'il y avait une pluie de méthane pendant les 2 heures qu'on est resté en contact avec la sonde. On a vu des gouttelettes qui se sont formées sur les cailloux. Parce qu'on était exactement au niveau où les passages entre les gaz et les liquides, hein, dans le diagramme des phases, était à 93,5 degrés Kelvin et à la pression de 1,495 bar. Hein, c'était le moment où les méthans passaient du liquide du gaz au liquide. Et donc, si y a un petit peu plus de température, ça évapore. Hein, s'il y a moins de température, ça se dépose. Et il y avait cette pluie. Donc, il y a les lacs là où les conditions étaient telles que la phase liquide pouvait rester intacte. Il n'y a pas de vie. Hein, parce qu'il n'y a pas de vie, on n'avait pas des éléments pour la trouver. Mais c'est les cycles du méthane sur Titan est équivalent au cycle de l'eau sur Terre. Exactement équivalent. Aux conditions environnementales comparées. C'est une planète, hein, c'est un satellite, mais on l'appelle planète, où on peut dire que les cycles du liquide solide gaz est équivalent à celui de la Terre, mais avec des éléments complètement différents. Est-ce qu'on pourrait imaginer que les molécules se répliquent à petite échelle vu la température, comme Je les ne soupes sais pas prébiotiques? exactement, parce que là, le problème, c'est qu'il y a, il y a un problème que les molécules du gaz tendent à monter et être photodissociées par les ultraviolets solaires. Donc, en principe, il ne devrait pas y être de méthane dans l'atmosphère, sauf le fait qu'il y a les sources qui probablement proviennent de l'intérieur. Il devrait y avoir un océan de méthane à l'intérieur qui permet de remonter ça et de redonner la présence de méthane continu. Donc, oui, on pourrait y penser. L'idée, c'est que c'était une bouteille de Miller parfaite au niveau planétaire, parce qu'il y avait l'azote qui est inerte. Et en effet, moi, je devais mesurer avec mon instrument aussi la présence d'éclairs. Je n'ai trouvé aucune dans le désert où on est descendu. Mais je mesurais les propriétés électriques. Donc, il y avait des ions et des électrons dans l'atmosphère. Donc, en principe, on pourrait penser qu'il y a aussi une tempête. S'il y a une tempête et des éclairs, il y a de la dispersion d'énergie. S'il y a de la dispersion d'énergie, on pourrait obtenir des hydrocarbures plus complexes de ceux qui sont présents normalement dans l'atmosphère. Mais sont très basiques les hydrocarbures qu'on a trouvés. Éthylène, méthane, éthane, choses toutes simples, pas de choses plus complexes. C'est l'oxygène qui manque un petit peu. Il y a quelques années, sur la surface de Mars, en comparant deux clichés, enfin des clichés de la surface, on avait vu des traces d'écoulement donc qui n'étaient pas dans les clichés précédents, qu'on avait appelé, il me semble, des gulises, et on ne savait pas à quoi était dû cet écoulement. Est-ce qu'on a la nature maintenant du liquide qui a coulé à ces endroits? Bon, les liquides est probablement de la glace d'eau ou de eau mêlée à la glace CO2 qui a fondu. La glace CO2 sublime, hein, ne passe pas par le liquide, donc c'est de la glace d'eau qui a fait ça. Ça, c'est probablement dû au fait qu'il y a des couches de ce qu'on appelle les permafrosts. Le permafrost, c'est un mélange de glace et de minéraux, hein, qui ont
trouve en Alaska, dans les zones polaires terrestres, il y a sûrement sur Mars. Et alors, si ça est exposé à un certain moment de la saison estivale de Mars, et ça peut produire ce phénomène, soit de sublimation, et donc ça va manquer de la glace, ça va manquer de soutien pour des couches supérieures, et donc il y a l'éboulement. Et ça, les grands canyons que je vous ai montrés s'élargissent comme tous les pentes à cause de ça. Il y a un élargissement dans le temps qui est dû à ce type de rétrocession, si vous voulez, c'est un chemin à l'envers des pentes dues aux éboulements qui sont engendrés soit par des impacts, par exemple, soit par simplement l'évaporation ou la fusion de matériaux qui sont dans des couches qui sont exposés de temps en temps par des phénomènes différents.